Chers paroissiens, chers amis, avant de terminer cette semaine, je voulais revenir un instant auprès de vous sur la fête de Saint-Martin. Mercredi 11 novembre, en effet, nous avons fêté l'un des deux saints patrons de notre paroisse, le grand Saint-Martin de Tours, à laquelle notre église de Verneuil est dédiée. Dans l'église de Verneuil, vous pouvez admirer au-dessus du crucifix, du fond, un beau vitrail où Saint-Martin est en tenue d'évêque avec sa mitre et sa crosse. Et près de la porte de la sacristie, il y a une belle statue ancienne qui le représente, comme souvent dans les représentations de Saint-Martin, en train de partager son manteau à un pauvre. Vous connaissez bien cette histoire, je pense. Saint-Martin, en longeant les fortifications d'Amiens, où il était envoyé par l'armée lors de son service militaire, tombe sur ce pauvre dévêtu un soir d'hiver glacial. Et saisi de pitié, Martin coupe en deux son manteau pour en envelopper le pauvre à ses pieds. Tout aurait pu se terminer sur ce simple acte de générosité, de partage, mais la nuit même, Saint-Martin fait un songe, et dans ce songe, il voit Jésus-Christ revêtu de cette moitié de cape, et Jésus dit « Martin, simple catéchumène, m'a revêtu de ce manteau ». Jésus ainsi, à travers ce songe, a fait comprendre à Martin que son geste avait été plus loin qu'un simple partage envers l'un de ses semblables, mais était vraiment un geste de charité, l'amour reçu du Christ qui vient s'épancher sur ceux auxquels le Christ s'identifie, en particulier les plus pauvres. Je trouve que c'est une belle coïncidence que la 4e journée mondiale des pauvres tombe juste après la Saint-Martin, ce sera ce dimanche. Nous sommes invités du coup à remobiliser notre sensibilité à la pauvreté, soit en faisant un don, puisqu'il y a une quête impérée ce week-end-là pour justement le Secours catholique qui partout dans notre pays se met au service des plus pauvres, de ceux qui en ont besoin, et on sait qu'il est très actif dans notre paroisse, Dieu soit loué. Mais aussi on est rendu sensible à des actions que l'on peut faire chacun. Ainsi, notre évêque, Monseigneur Aumônier, nous adresse une lettre que vous allez trouver en lien avec cette vidéo, où il nous dit par exemple ceci « J'exhorte aujourd'hui chaque fidèle à se mettre au service. De nombreuses initiatives n'attendent que votre aide. » Et si parfois les contraintes sanitaires ne permettent pas de vous investir auprès d'une organisation, développez la charité de proximité dans votre rue, dans votre quartier, par le relais du voisinage, un geste, un sourire, une simple course, une parole réconfortante sera autant de charité offerte que d'espérance semée. Il ne s'agit pas d'exprimer beaucoup de paroles, mais plutôt d'engager concrètement la vie animée par la charité divine, comme disait le pape François en 2020, justement pour annoncer cette journée des pauvres. Alors, chers frères et sœurs, dans l'exemple lumineux de Saint-Martin, et à l'occasion de cette journée des pauvres, ne freinons pas nos élans de charité. Ainsi, nous pouvons recevoir cette parole de Jésus dans l'Évangile qui dit « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à vous, c'est à moi que vous l'avez fait. » Vous avez ma bénédiction et mon amitié. À bientôt.